Mais top couloir en face du trou. Ok, vous m'avez saoulé. Ok, vous m'avez saoulé. Je vais vous expliquer un truc, les loulous. Mais déjà, je vais vous expliquer la vie. Alors, assieds-toi, calme-toi, mets-toi au fond là-bas. Je t'explique. Je t'explique parce que t'as pas l'air de comprendre. Alors, je t'explique, parce que tu m'as saoulé, donc assieds-toi au fond de la salle, d'accord? Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que quand il fait son call en face du trou, ça ne veut rien dire. Partons du principe que je sois ici, ok? Ça, c'est ma position. Ça, c'est le trou du bug qui est en face. Là, il y a le trou du bug. Ma vision, c'est ça. Définis-moi la position du mec quand tu me dis en face du trou. Couloir en face du trou. Donc je vais vous donner un exemple parce que vous dites « Ouais, il y a des couloirs en face du trou !» Ouais, mais calme-toi et ferme ta gueule surtout, ok? Là, il est en couloir et il est en face du trou. Ici, il est couloir et il est en face du trou. Ici, il est couloir, il est en face du trou. Ici, il est couloir en face du trou. Ici, il est couloir en face du trou. Ici, il est couloir en face du trou. Ici, il est couloir, toujours en face du trou. Et même si on va aller jusque-là parce qu'il a bougé entre la killcam et machin, ce qui donne cette position-là et cette position-là, il a toujours été couloir en face du trou au moment où le kill a été fait. Le call est à chier. 6-4, mauvaise voix, à travers le trou en face. J'ai toujours raison. Pour bon, 6-4. Non, mais je vous explique un peu. Non seulement j'aimerais bien me donner le nom du call, mais je ne sais toujours pas où il était en fait ce mec. Je n'ai toujours pas compris. Et ce n'est pas de la mauvaise foi, vraiment. Je ne sais pas où est-ce qu'il meurt. On va écouter et regarder ce passage ensemble. Donc je fais un trou. Vous avez vu, hein, l'échelle était bonne. Hein. Le trou que j'ai fait, tu vois, c'est... On n'est pas dans la pièce de 2 euros là, je veux dire. On est quand même dans le trou qui envoie du steak, ok? Donc voilà, donc c'est un gros trou. Attends. Va me chercher cette ligne là-bas et assure-toi qu'il n'y a personne qui vient. Alors va me chercher cette ligne là-bas, tac, bim, c'est clair, c'est net, c'est précis. Toi, je t'aime bien, franchement. Et c'est clair, c'est net, c'est précis. Je lui ping l'endroit, il entend le pip-pip, normalement, hein, s'il a un casque à peu près potable. Et donc je lui dis, va me chercher cette ligne là, ce qui est assez logique sur... Enfin bon, c'est un truc de bon sens, c'est-à-dire qu'il est en train de jouer une Zofia, moi j'ai pas encore utilisé tout mon stuff, le but du jeu c'est quoi? Hein? Le but du jeu c'est quoi? Le but du jeu c'est, il va prendre la ligne de la seule endroit, du seul endroit à peu près, où on pourrait me faire chier, hein, sans parler de la verticalité, blablabla. Mais il va prendre la ligne de là où j'ai pingé, là où j'ai fait le kill en fait. Et il garde cette ligne-là, avec un drone ou sans drone, t'es pas obligé de prendre une ligne. Mais le but du jeu c'est au moins d'avoir l'info. Bref, donc du coup, ok. Juste s'il te plaît. Quelle ligne tu veux? Quelle ligne tu veux? J'ai pingé, tu peux pas tourner autour de toi, trou du cul pour te chercher où est-ce qu'il y a le ping? Il est encore là pendant 2 secondes. Quelle ligne tu veux? Là où c'est pingé toujours, je pense. Hop! Ping! Ping! Ok, déjà, premier truc, ok? Donc je savais que par rapport au fait que j'avais pingé, que j'étais en train de lui machiner, hein, je lui disais que c'était toujours pingé, tu vois. Donc déjà, s'il savait jouer à Rainbow Six, voilà. On notera au passage la magnifique Claymore qu'il a passé. Bon, je sais, ok, vous allez me dire, t'en rajoutes, t'en mets des... Mais bon, la Claymore, celle-là, qui est-ce qui l'a faite? Je veux dire, qui fait une Claymore comme ça? Non mais qui fait ça? Qui? Déjà, une clé mort, une bonne clé mort posée dans une porte, elle est posée de façon à ce qu'il n'y ait qu'un laser qui dépasse. Ça sert à rien, il y en a 3, hein, ça fait pas un bonus boost. Et puis, si tu veux placer une bonne clé mort, s'il te plaît, sur chalet, tu vas la mettre ici. Celle-là, elle est pas mal. Comme ça, ça permet justement d'avoir les 2 possibilités de rota qui sont à peu près niquées, c'est-à-dire lui et l'autre. Et il faut savoir qu'une clé mort, quand on l'utilise pas forcément pour la fonction première, c'est-à-dire qu'elle va péter à la gueule du mec, mais c'est surtout pour la fonction seconde, qui est que quand on tire dessus, elle fait beaucoup de bruit. Ouais, souvent, ça, on en parle pas, mais extrêmement important. Ça fait un bruit assez spécifique, une clé mort. Bref, alors. Mais cette mauvaise foi, putain, t'es horrible. Non, c'est pas vrai. Attendez, le drame ne vient pas là. Le drame est après. C'est parti. Non, il n'y a plus de ping, c'est pas grave. Non, il n'y a plus de ping, mais c'est pas grave. Non, il n'y a plus de ping, mais c'est pas grave. Quelle ligne tu veux? Quelle ligne tu veux? Non, il n'y a plus de ping, mais c'est pas grave. Non, il n'y a plus de ping. Mais c'est pas grave, mauvaise foi. Mauvaise foi. Est-ce que ça, il va aller te mettre une petite flèche rouge en disant ouais, j'ai une mauvaise foi et tout? Non. 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 Bah non. Non. Mauvaise foi, c'est tout. Mauvaise foi. Deux mauvaises fois. Non, y'a plus de ping, c'est pas grave. Ça va, mytho. On continue. Compris, non. Donc moi, là, je sais pas ce qu'il fait, ok? Vraiment, il y a eu un moment où... C'est pas un reproche, non, en l'occurrence. Depuis ce moment-là, en fait, là, il est là,
Il a dû mettre sa clé mort, et là je l'ai plus en visu. Là je sais plus où il est. Là il est passé où, tu vois? Tu peux pas tourner autour de toi, trou du cul, pour te chercher. Je sais même pas où il est là, autour de moi. Il est plus dans mon environnement. Moi je lui ai donné l'information qu'il devait couvrir un truc, et moi je sais plus où il est. Et en fait ce qui va se passer c'est que je ne le vois plus. T'as compris, non? Ouais, t'as compris. Ça. En gros, tu sais jouer chalet quand même. Minimum. Je lui ping l'endroit. Il entend le pip pip normalement. Hein, s'il a un casque à peu près potable. En gros, tu sais jouer chalet quand même. Un minimum. C'est ça que ça veut dire. Ce qui m'a un peu cassé les couilles aussi. Donc moi, je commence à travailler. Et là, le drame va arriver. Je ne sais pas où il est mort. Je ne sais pas où il est allé. Il entend le pip pip normalement. Hein, s'il a un casque à peu près potable. Mais je comprends pas. Enfin, regardez. Où est le kill? Où est le truc avec qui marque l'endroit où il est mort? D'accord? Où il est? Où est-ce que j'ai l'information? Où est-ce que ça me vient tout de suite en tête? Pour moi, c'est je sais pas où il est allé. En bas, non? Te justifie pas, mais rien à raison pour le coup MDR. Non, étude de strat pour de la ranquette, retourner en PL, sous 10-4, tu deviens fou. Ah la vache, première fois que je vais ici. Ensuite, tes castes, j'adore, le like direct. Non, tu refais ton cirque. Non, je suis désolé. Où est-ce qu'il est? Mais répondez à cette question au lieu de vous foutre de ma gueule. En face du trou. Info? Au top, bandit. Où ça, au top? Ça va... Alors, au top, bandit. Bon, je suis pas trop con, je l'ai entendu tirer, le bandit, hein. Donc j'imagine bien, avec mon game sense légendaire, que le mec avait pas une nouvelle features depuis la mage qui permettait au bandit de rappel par la fenêtre du balcon. Et puis, on avait quand même un minimum droné, hein. On savait bien que bandit était pas dans le jacuzzi tranquillement avec deux meufs, voilà quoi, et en train de boire du champagne. Non, on le savait. Donc, pour moi, le bandit, je sais pas où il est, ok? J'ai fait le kill sur le mec qui est au fond. C'est, pour moi, ça va arriver de là. Et en fait, dans mon subconscient, quand il a fait péter sa Zofia, il est rentré dans le bureau. Et voilà. Bon, bref. Bon, déjà, ok. Premier truc. On va pas y passer 3 heures, j'ai envie de dire. Mais premier truc. Si le premier truc qui est en train de devenir, c'est au top. Mais on est au top. J'imagine bien que le mec, il est pas dans la putain de cave ou il est pas sur canal. Je sais bien qu'il est pas sur favela, le mec. Je sais bien qu'il est pas trop loin de nous. Donc au top, logique. Ok, au top. Maintenant, où est-ce qu'il est? Il est mezza. Il est Adolphe, comme l'appellerait Pinta. Il est sorti du bureau. Il est, enfin, faut essayer d'écrire le truc à côté des fougères, machin, truc quand t'as pas les calls, je sais pas moi. Donc au top, bandit, ok, bah, j'ai vu que c'était un bandit, j'avais entendu le MP7, et là j'entends très bien le bruit très spécifique du MP7, mais je sais pas d'où ça vient. En face du trou, je comprends pas. Ouais, t'as un gros trou derrière toi maintenant. En face de toi, en face du trou. Ok, attends, on va le rappeler parce que. Hop, ça va rien dire. Couloir en face de toi, en face du trou. Couloir en face de toi, en face du trou. Moi, ça veut rien dire. Je ne sais pas où il est. Donc, je ne sais même pas quel est le en face en fait. Je me dis, il était dans la salle de bain, on l'a pas vu. En face du trou, non, c'est nul. En face du trou, je comprends pas. Ouais, t'as un gros trou derrière toi maintenant. Moi, je sais pas où il est mort, le mec. What? Derrière moi. Ouais, le trou est là. Après. Laisse tomber. C'est un MC4 de toute façon. Bah là, tu vois bien qu'il y a un trou en face de toi, couloir. Oui, c'est celui que j'ai fait, quoi. Mais ça me dit pas où est la position du mec. Bah, mec, c'est une killcam que j'ai. C'est pas. Il y a un gros plan sur lui, hein. Il était dans le couloir. C'est pas un GPS, franchement. Bah, ouais, mais le problème, c'est que. Le problème de. C'est que si on devait appeler. Si on devait appeler un truc bien spécifiquement, enfin, il y a quand même, si on devait dans toute la map appeler un seul truc couloir au top, c'est quand même plus le truc qui est à droite là-bas, qui ressemble vraiment à un couloir, qui est tout droit, machin, même proportion, etc. Un vrai putain de couloir, quoi, que ce truc-là, qui est un peu en quinconce, décalé sur le côté, c'est moitié couloir, moitié balcon, moitié mezzanine, quoi. Non, désolé, c'est pas un couloir, ça, donc c'est pas vraiment logique. Et quand on me dit, il y en a qu'un en face de toi, bah ouais, mais bon, il pourrait... Le MP7, il va loin, hein. Enfin, le mec, il peut me shooter de l'endroit où moi, j'avais tué l'écho. Et c'est à cet endroit-là que j'ai cru qu'il était, honnêtement. Que veux-tu que je fasse avec des putains d'autistes pareils là? Ouais, je te comprends, mec. Putain. Ouais.
C'est relou, franchement, de pas. Oh là là. Le mec, il joue avec une manette ou quoi? Ouais. 15 seconds. Il arrive à gauche derrière toi, Mary. Derrière toi. Derrière toi, Mary. Derrière toi, Mary. Derrière toi, Mary. Derrière toi, Mary. À droite. 5 seconds to go. Il va planter. All friendlies were eliminated. Mission failure. Derrière moi, en fait, c'est. Tu ne me dis pas derrière moi alors que je regarde en face. Ok, ok. Mauvaise foi. Il n'y a pas de mauvaise foi, vous êtes d'accord? Il m'a dit derrière toi alors que je regardais ouais, en face. Mais après, je te regardais tranquille et je t'ai dit. Il arrive à gauche derrière toi, Mary. Derrière toi. Derrière toi, Mary. Derrière toi, Mary. Derrière toi, Mary. Derrière toi, Mary. Tranquille vers là où tu étais, c'est bon. Et une fois que tu t'es retourné, c'était. Ouais, bon. Non, mais c'est juste que le derrière moi m'a gêné parce que je voulais balancer. Oui, ok, ça marche. Mais bon, tu rates ton kill en te levant alors que le mec n'a pas planté la bombe. Il a planté. Bah, tu m'as dit. Il peut peut-être planter parce qu'il peut peut-être planter. Il a planté. C'est une possibilité que je voulais te rappeler, mais ne sachant pas s'il avait le diffuse, à toi de prendre la décision derrière. Son derrière toi est très bizarre. Bah oui, tu m'étonnes. Le call est à chier.